Yop tout le monde, c'est Melor7, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon téléphone. Comme d'habitude, on va se retrouver pour une ouverture de carte Pokémon de la collection Écarlate et Violet, évolution à Paldea. Comme vous pouvez le voir ici même, il y a écrit évolution à Paldea. J'ai acheté le petit coffret stratégie et combat. Voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter. Il y aura du coup les cartes, il y aura les cartes promo dedans. Normalement, il y en a deux. Si je me trompe pas, donc ça s'ouvre comme ceci. Je l'ai déjà ouvert pour voir un peu comment ça se composait dedans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a du coup trois boosters en plus quoi. Il y a ces petits trucs comme d'hab. Je commence à en avoir tout plein. Des dés. Le dé il est magnifique en plus. Il est un peu transparent en mode rouge, orange, vert. Il est plutôt stylé à l'intérieur, le dé normal. Après, il y a des numéros écrits 10, 100, 120, 150, 160. Là, c'est les puissances des différents monstres. Ici, il y a toute une pochette d'énergie. Je sais pas s'il y a que des énergies dedans, mais je pense en soi, on pourrait l'ouvrir en soi. Mais normalement, de ce qui est marqué, il y a 121 cartes énergie de base. Donc, c'est ça, hein. 121, s'ils ont craqué du slip quoi. Donc ça c'est bon, 6 marqueurs de dégâts. Donc ça c'est ça les marqueurs de dégâts. Un dé de compétition, donc ça c'est ce qu'il y a. Les deux pièces marqueurs d'état spéciaux, donc c'est ça. Et après tu as deux petites boîtes comme ça. Où il y a du coup, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu en as deux du coup. Tu en as deux où il y a quatre boosters dedans, une carte promo et un deck à jouer de 40 cartes. Donc une carte promo brillante, unique. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va en faire une et semaine prochaine, on en fera la deuxième. Comme ça, on est sur nos 5 boosters de base comme on fait habituellement. Donc ça, je range et je vais en prendre un d'ici. Comme ça fera 5 boosters. Voilà. Quoique, vu que s'il y a les 40 cartes de base, on en voit déjà pas mal des cartes. Non, vas-y, on va quand même prendre une des trois. Donc soit il y a Muscarade, soit il n'y a pas le truc. Ou soit il y a lui de la pochette. On va ouvrir lui de la pochette, comme ça fait 5 boosters. Voilà, hop. Et du coup, ce qu'on n'utilise pas, ça sera pour la semaine prochaine. Je le referme. Hop. Franchement, il est stylé le petit coffret, j'aime bien. Donc ça sera pour la semaine prochaine, mais aujourd'hui on sera sur ça. Donc je sais pas comment on l'ouvre par contre. J'ai pas de ciseaux, rien, donc je vais prendre mes clés, les amigos. Alors, prendre ma clé pour l'ouvrir. J'espère pas l'abîmer quand même. Bah, si je suis littéralement en train de faire ça, quoi. C'est vrai que j'aurais dû l'ouvrir avant, comme ça je suis en train de l'abîmer là. Voilà, vous voyez un cassos galéré là. Bon, une clé, c'est pas une bonne idée. Prendre le stylo. En plus, la boîte, c'est de la merde en plus. Voilà, avec le stylo, c'est plus simple. Désolé, le mec il galère à ouvrir une petite boîte. Alors la boîte, comment elle se propose? Ok, elle se propose comme ceci aussi. Voilà, et elle s'ouvre comme ceci. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les 4 boosters. Ils sont gros, sa mère. Il y a le petit deck de 40 cartes, dont celle du début promo. Donc c'est Forgelina. Voilà, la carte brillante. Et après, tu as le petit. Oh, il y a la liste de toutes les cartes. C'est stylé ça, on peut pouvoir mettre des. Ok, ils ont. Putain, ils te donnent une liste de toutes les cartes, quoi. Sympa. Ok. Je vais pouvoir le donner à ma soeur, tiens. Donc, on va mettre tout ce qu'on n'utilise pas dedans. Comme ça, on va garder la bobotte. Donc, les 4 boosters, on va ouvrir ça en premier, hein, du coup. Les 40 cartes, rien qu'à ouvrir les machins, c'est une galère pas possible.
Déjà, la carte promo, elle est brillante. Pourquoi elle est brillante? Elle est censée être brillante de base ou c'est juste une variante de la carte promo, quoi, parce que... Je savais pas qu'elle était brillante, moi. Ok, donc on a un truc comme ça aussi. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Il est là. Ah, c'est les astuces. Ok, bon. Pourquoi pas. Du coup, 40 cartes. Ah ouais, il n'y a que des énergies presque. Ah ouais, la douille. Bon, 40 cartes, les gars, de deck. Il y a du coup la carte brillante de Forgelina, qui est vraiment sympathique. Franchement, c'est plutôt cool. Où il y a écrit du coup Évolution Apaldea sur, en grand ici. C'est plutôt cool. On a la petite énergie lumineuse. Je sais pas du tout si je l'ai. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 énergies psy. Voilà, c'est des bâtards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8 énergies obscurité. Voilà. Déjà, sur les. Je vous ai dit combien de cartes? Sur les 40 cartes, il y a déjà 16 cartes, c'est des énergies. La douille est incroyable. Après. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes, c'est des dresseurs. La Hyper Ball que je me suis acheté hier dans un marché aux puces. Voilà, sympa. En plus, c'est du SV1. C'est même pas que du Paldea, du coup. La Méga Canne. Ça, c'est du Paldea. La Super Ball, c'est du Paldea aussi. En double en plus. La Quincia. Du Paldea aussi. SV1, le gamin. Tu vois, il te donne des cartes SV1 en plus. C'est n'importe quoi. Il te donne la professeure. Bien évidemment, il te donne jamais le garçon. Moi, il me faut le garçon hein, à tout prix, mais il me donne que la meuf. SV1 encore une fois. Manzi, SV1 encore une fois. Et le petit Clavel en Paldea. En ça. Donc ça, c'est du dresseur. Donc vous voyez déjà. On se fait pas mal douer. Après, on n'a que des cartes en double, ça me fume. Après, on a du Cornèbre, il te le donne en 3 fois. Voilà, sympathique. Ça fait vraiment plaisir. Donc, vous savez quoi, on va faire juste 4 pochettes. Pourquoi ils sont aussi gros? Ils ont mis quoi dedans? Donc, 3 Cornèbres. Ils ont mis 4 flammes roule. 4 flammes roule, ils ont mis. Je vous montre, hein, il y en a vraiment 4. 4 flammes roule. Et ils ont mis 3 forgerettes. Voilà. C'est une dinguerie de faire ça. Ils ont mis 2 Forgelina, l'évolution. Voilà. 80 PV. Et une Forgelina, 140 PV. Encore une évolution, du coup. Ou une variante, mais en tout cas, on a que du. Et en plus, on a la promo, c'est Forgelina aussi. Donc, franchement, ils ont donné que du Forgelina. Donc là, on est bien pour faire la collection, quoi. On va pas se mentir. Donc, la promo, je la laisse en haut, hein, du coup, hop, je vous mets ça de côté. Ça, c'est une énergie dresseur. Donc voilà, ça, c'était du coup ce qu'on a mis dans la boîte. Donc la boîte, je vais la refermer. Hop. Et du coup, on va faire les 4 boosters qui étaient dans la boîte. Mais ils sont énormes. Je sais pas si c'est un gonflement ou quoi, mais ils sont énormes, je trouve. C'est incroyable. Bref, je vais ouvrir le premier, du coup. J'espère pas me faire douiller parce que là, Après, c'est cool hein, d'avoir Forgelina et tout. Hein. Mais honnêtement, what the fuck, quoi. Premier booster, pas de rare. Je regarde vite fait et après je vous montre. Pas de rare. Alors, premier booster, aucun rare. On va commencer du coup par l'énergie feu. Énergie feu, tranquillement. Ça fait toujours plaisir. Et vous savez quoi, c'est stylé de faire ça. Je vais laisser les trucs en... Je vais laisser, hop, ça ici, ça ici, ça ici. Comme ça, on a les différents trucs. À côté.
Alors, on commence avec un méga canne qu'ils m'ont donné dans la pochette en plus, hein, avec les dresseurs du coup. Donc c'est quoi? Je vais les aligner comme ça, si j'ai des doubles. Je vais juste aller mettre dessus. C'est plutôt sympa. Bon, désolé, hein, j'improvise un peu. C'est ma vidéo, de toute façon. Si elle dure 1 heure, elle durera 1 heure. Du coup, la méga canne qu'on a eue dans les cartes du deck, on commence avec une énergie eau cette fois-ci. Un Pokémon eau avec le petit poisson Love Dick, qui est plutôt sympa. On a un petit plante avec notre ami Blizzy. 90 PV quand même, c'est pas mal du tout. On enchaîne avec un. Ah, c'est pas si ouf de ranger comme ça. Avec un passe rouge, pardon. Il va là du coup. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ranger plutôt comme ceci. Parce que sinon, ça va être une galère. On va les ranger comme ceci. Alors attends. Normalement, c'est eau. Non, c'est plante en premier. Feu. Eau. Après, t'as électrique. Psy. Non, il y a psy ou électrique. Non, il y a électrique d'abord. Après, il y a psy. Combat. Obscurité. Hop, voilà, là c'est bien rangé. Alors, on enchaîne avec un Balbalaise qui est là en 180 PV, c'est exceptionnel hein, en termes de PV. Là, on est pas mal du tout. On enchaîne avec un Gorvalius en métal. Ça, c'est une promo, on va les laisser de côté. Les doubles, on va les mettre de côté aussi. Comme ça, j'en ai qu'une par carte. Voilà, hop, voilà, on est pas mal là. Désolé, j'improvise. Hein. Donc Corvalus, du coup, plutôt sympa. Je l'ai déjà un hein, 170 PV. Là, on a des gros PV hein, quand même hein, dans les cartes qu'on obtient là. On obtient des cartes vraiment sympathiques. Il serait content, mon neveu, tu vois. Incolore avec le petit Delosordo. Passe rouge, flamant rouge. Là, on va les mettre de côté. Voilà. Obscurité, attends, il y a dragon entre les deux, c'est comme ça normalement qu'on range. Après, on a une dernière carte qui va dans le deck normal avec un petit Pomarmotte, 140 PV encore une fois, hein, donc vraiment on enchaîne des cartes plutôt sympas. Et les deux cartes du coup, reverse, on a Chocodile et notre petit énergie inversion qui est là aussi. Qui est, ma foi, plutôt intéressant, que j'ai déjà en plus, je crois. Mais bon, si j'ai déjà, ça va donner à ma sœur. Allez, on va les mettre comme ça. Dresseur. Ok, premier booster, pas ouf. Celui-là qui me paraît le moins gros, on va dire que. Allez, on va faire. Famigator, j'ai envie de faire Famigator là. J'espère qu'il va me porter chance. Je l'ouvre par le cul parce que bon, ces pochettes sont vachement resserrées, tu sais, en mode compacté, en mode frère. Vous avez fait une crise d'épilepsie ou quoi? On a une énergie obscurité, comme par hasard. J'en ai trop là. L'abus du bail. Alors, on commence avec un Pokémon eau que je pense que j'ai pas en vrai. Ça me dit rien. Marill. Qui est là en 70 PV, c'est pas fifou, mais bon, ça mange pas de pain. On enchaîne avec un Ferrosinge. J'ai l'impression qu'il y a une brillante, on voit un petit peu sur le côté là. Regardez. Ouais, bon, on verra. Je pense que c'est une basique en vrai. Forêt Singe, 60 PV, du coup. D'abord, il y a électrique, on a dit. Hop, on l'arrange là. Encore un Pokémon eau avec Kaidozo. 90 PV, franchement sympathique. Encore une carte double. Attends, du coup, je suis con, les doubles, je peux les mettre de côté tout de suite. Hop, on a déjà deux doubles, c'est n'importe quoi. Encore la méga canne. C'est un délire. Hein. Elle fait quoi? C'est la mélange. Mélanger avec votre deck une composition d'un maximum de 3 Pokémon et carte énergie de base de la pile de défausse. Du coup, tu reprends ta défausse, tu mélanges avec ton deck et tu. Voilà. Après. Ok, PV 130 avec un Scalino. Putain, il y a tout le temps les mêmes Pokémon, ça rend fou. On enchaîne avec un Pokémon 120 avec Fugolero, qu'on a déjà.
Oh, l'évolution de Maril peut-être ici avec Azumaril 120 PV. Je pense que c'est la carte qui suit, non? Je vais regarder le numéro 44 et 45. Ouais, c'est ça, c'est les Pokémon qui se suivent. Donc c'est l'évolution littéralement ici. Hein. Donc je vous la remontre pour ceux qui n'ont pas vu. Je dis ça comme s'il y avait des gens. Non, c'était une carte basique normalement. C'est pas une brillante du coup. Dommage. Dimoret, mais je crois que je l'ai pas. Dimoret, c'est une carte. J'aime bien les cartes comme ça avec les reflets. De couleurs, franchement, c'est plutôt stylé. Et du coup, on enchaîne avec les deux cartes Reverse avec Trépassable que j'ai déjà, du coup, et le petit Albert que j'ai pas, je pense, mais ça fait bien chier quand même. Donc, Albert, attends, Reverse, je vais quand même laisser de côté, je vais les foutre là. Deux dresseurs en Reverse quand même. Hein. On enchaîne avec. Mustiarad, j'ai envie de le garder à la fin parce que j'ai l'impression que c'est du lourd, mais je peux me tromper. On va enchaîner avec la pochette de Parmaval, je crois il s'appelle, un truc comme ça. Parmaval, Pokémon O. Alors, la pochette que j'ai sans doute le mieux ouvert. Est-ce qu'on a du lourd dedans? On verra ça après. Et on commence déjà avec un énergie électrique. Énergie électrique. Est-ce que ça annonce un Pikachu dans l'opening? On verra bien. Du coup, on commence avec un doublon avec Ferrosinge qui est là. Donc, c'est un doublon. On enchaîne avec. Non, mais c'est une blague, frère. C'est le même booster que juste avant, je crois. Koidozo, encore une fois. Donc, un double. Megacan, encore une fois. Love Dick, qu'on a juste avant. Donc voilà, 4 doubles hein, sur ce booster. Et là, on arrive sur des cartes que j'ai pas, heureusement quand même. Mais le début de booster, c'est tout le temps c'était le même qu'avant. C'était un peu rageant. Mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est les couvertures Pokémon, les boosters. Magirev, 90 PV. Il est vraiment stylé cette carte, par contre. J'aime beaucoup. Je vais essayer de la montrer en travers. Peut-être en voyant un peu mieux. Elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. On enchaîne avec un type. Plante avec Velvoreur. Je crois que j'ai regardé un peu tout à l'heure avant de faire le vidéo. J'ai regardé un peu les cartes qui me tentent. Il n'y en avait pas tant que ça, mais celle-là, je ne l'ai pas. C'est les Velvoreur. Il y en a plusieurs. Il y en a 4 des comme ça, je crois, des petits comme ça à la suite. Avec des dessins différents. Donc pourquoi pas. On enchaîne avec un Quatox. Quatox, j'aime beaucoup. 130 PV, un type combat du coup. Quatox X, il manque sur l'extension obsidienne. On enchaîne avec la carte du coup non reverse avec petit gros doudou. C'est un gros doudou là, ce qui est plutôt sympathique également. Et on enchaîne avec les deux cartes reverse, une que j'ai déjà 100%, c'est Axolotl de Paldea qui tombe vraiment souvent pour le coup. Et le petit Eliancio qui tombe aussi souvent. Voilà. Donc pour l'instant les boosters sont pas terribles, hein. On en a ouvert 3. Franchement, aucune rare, aucune. Bon, je suis assez déçu du coup de ces boosters. Je vais peut-être réfléchir avant de réouvrir des boosters comme ça, mais bon. Est-ce qu'il y a un brillant? Ouais, bon. Wow, ouais, ok. Bon, on n'a pas de chance sur ces boosters. Oh. En énergie, franchement, aucun hit quoi. Je vais peut-être quand même faire un cinquième booster parce que là je suis vraiment peiné quoi. Mais ouais, aucun hit quoi. C'est oh, il y a quand même des belles cartes, mais dommage quoi. Dommage, dommage. Bon, on commence avec un Scrutella 70 PV qui est là. Scrutella qui est là. Donc, franchement, voilà. On enchaîne avec un Grondog. 70 PV. Non, franchement, je suis extrêmement déçu là pour l'instant. Enfin, pour l'instant, c'est même sûr que je vais jusqu'à la fin parce que j'ai déjà spoil toutes mes cartes. On enchaîne avec un Goélis 70 PV en type incolore. Voilà, un type oiseau du coup. On enchaîne avec un type plante avec Pont des Pics 70 PV. C'est pas mal du tout aussi. Je vous la rapproche un petit peu. Voilà. On enchaîne avec un type eau, avec Criodo, que
que je connais, Criodo, bien sûr, qui connaît pas Criodo quand même. Magnifique, ce petit Pokémon, 90 PV. On enchaîne avec un type dresseur avec Brome, que j'ai déjà en carte spéciale, mais là on a en basique la carte numéro 182. Ouais, Brome, je l'ai en carte secrète. Bah, c'est l'une des celles que j'ai d'ailleurs, mais elle est là. On enchaîne avec une carte que je trouve vraiment exceptionnellement belle avec un petit Flambusard. Franchement, il est magnifique le Flambusard. Je vais essayer de vous montrer. Là, il est en vol, il est en train de voler du coup. Il est magnifique, c'est un bijou 150 PV en plus. Franchement, c'est l'une des cartes que je préfère. C'est dire la négativité de cet opening. Et on a un petit Plumeline qui est vraiment sympa aussi. Un type oiseau feu qui est vraiment. Je kiffe. Je vous montre un peu de plus près l'oiseau. T'as vraiment l'impression. Il est tellement. T'as l'impression qu'il sort de l'image, car je sais pas si vous captez quand je fais ça. T'as l'impression qu'il est vraiment réel, quoi. Et on enchaîne du coup avec les deux cartes. Reverse, déjà, type plante avec Virovant, qui est là. Sympathique. Le petit reverse plante et le petit Forgella qu'on a eu tout à l'heure en carte basique dans le deck qui sont créés en 40 cartes. Mais bon, voilà. Et cette fois-ci, on l'a en reverse, encore une fois, une Forgelina. C'était un opening spécial avec elle, quoi. Il n'y a pas de feinte. Donc voilà. Est-ce que j'en fais un petit dernier bonus ou est-ce que je laisse comme ça la vidéo parce que j'ai quand même découvert beaucoup de cartes et ça fait 20 minutes. Honnêtement, je sais pas si j'en fais un petit dernier bonus là. Parce qu'on a fait une petite boîte. Non, bah. Ouais, allez, j'en fais un petit dernier bonus. Parce que habituellement, on fait 5 boosters. Donc, on continue sur cette lancée de 5 boosters. Mais en vrai de vrai, ça me fait chier. Hein, parce que. Putain, les decks de suppléments, hein, ils sont vraiment nuls. Alors. Ouais, jusqu'à la fin, il va être pourri cet opening, je vous le dis. Ah ouais, jusqu'à la fin, il va être pourri. Mais bon, ça arrive, hein, on peut pas avoir des openings parfaits tout le temps. Type énergie, feu. Du coup, les boîtes comme ça, j'aurais tendance à vous dire de ne pas les acheter, hein, du coup. Parce que là, putain, l'opening, il pue sa mère, peut-être. Après, peut-être sur la petite deuxième boîte, j'aurais plus de chance. À voir. Et pour l'instant, franchement, grand dob doublon, Joëlys doublon, Pongekip doublon, Marill doublon. Tu vois, les quatre premiers de trucs, que des doubles. C'est insane comment ils te font les mêmes enchaînements des fois. C'est bon. On enchaîne du coup avec un Sulabre 110 PV, franchement sympathique. On enchaîne avec un dresseur. Grusha, Grusha dresseur, franchement, sympathique. Colossinge, donc l'évolution qu'on a eue tout à l'heure de Ferrosinge, donc Colossinge, voilà. Et on enchaîne avec la carte Brillance avec Glévaudo, donc on a eu tout à l'heure sa version, je crois. Attends. Ouais, c'est ça. Donc c'est Criodo qui se transforme en Glaivodo. Elle est magnifique. Encore une fois, ce côté où tu as l'impression que le Pokémon, c'est vraiment stylé. Ces cartes-là, je kiffe en vrai les brillantes, quoi. Et du coup, les deux cartes holographiques. Non, reverse, pardon. Putain, je dis n'importe quoi. Avec Tyranossif, qu'on a déjà eu la fois d'avant. J'aime un peu moins les designs des reverse des obscurités parce que quand tu fais comme ça, on voit pas vraiment les détails, quoi. Là, on les voit vraiment bien, tu vois. Mais sur une comme ça, vu que c'est un fond vert, on voit presque rien, quoi. Enfin bon. Bref. Et du coup, la dernière, c'est Clavel, qu'on a vu juste avant en normal. Mais cette fois-ci, on l'a en reverse. Donc voilà. Même les reverse sont pas terribles. Bon, petit récap de ce opening, du coup. On a eu. Pondépic en double, Vilvoreur, Scarino et Blizzy. Voilà, donc 4 plantes. En type feu, on a eu
un petit flambusard, franchement c'est pas mal, 150 PV quand même, hein. Et le petit Plumeline, 90 PV, franchement plutôt sympa. On a eu beaucoup de types eau, en vrai. On a eu Clévaudeau et Criaudeau, donc l'évolution. On a eu Maril et Azumaril, donc encore une fois une évolution, donc c'est sympathique à obtenir ces cartes-là, parce que du coup t'as les évolutions des Pokémon qui se suivent, c'est vraiment sympa. On a le petit Kaidozo qu'on a eu en double. On a eu le Balbalaise 180 PV quand même, c'est pas mal. Et on a eu un petit Voldic en poisson en double, encore une fois. Après, on a eu du électrique, on n'a eu que deux. On a eu Fulguléro et Pomarmotte brillante en 140 PV et 120 PV. Franchement, deux cartes plutôt sympas en PV, 120 et 140. Franchement, c'est cool. En psy, du coup, on a eu les trois forgerelles, les trois évolutions ou variantes dans les cartes en plus, le deck quoi. On a eu Magirev que je trouve vraiment belle. On a eu Scrutella qui est bon, elle est là. Et le petit gros doudou qui est vraiment sympa aussi. J'aime bien ces cartes-là. Après, on a eu Colossinge, Ferrosinge, donc l'évolution. Donc franchement, pas mal. On a eu un Coatox que j'aime bien aussi, 130 PV, et un Simularbre en 110 PV. Franchement, sympathique. Après, on a eu en obscurité Cornèbre en 3 fois dans le deck. Grodog en 2 fois aussi. Et le petit Dirorette en holographique. Les holos, on en a eu beaucoup en vrai. Ce qui est sympa quand même. Aucune dragon, du coup. Je crois qu'il n'y en a que deux des dragons sur la Paldea, si je me trompe pas. C'est une carte de base et l'évolution X, je crois. Un truc comme ça. Donc le petit Koivalus en métal, pareil, il n'y en a pas beaucoup je pense. Et on enchaîne avec les incolores avec Flamant Roule qu'on a eu en 4 fois, Passerouge qu'on a eu une fois, Deuxo Lordo on l'a eu en une fois, et le petit Joëlys en 2 fois on a eu. Voilà, donc ça c'est toutes les cartes que j'ai en une fois, mais est-ce que dans mon classeur je les ai déjà ou pas? Ça, on verra. En énergie, du coup, on a eu le feu, l'eau, l'électrique, l'obscurité et le psy. Donc ça, c'est les énergies. Voilà. Bon, les énergies, de toute façon, j'en ai plein. Et en reverse, du coup, on en a eu logiquement 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a eu deux feux, un plante, trois dresseurs quand même. Ça fait beaucoup, ça pique un peu. Deux psy et deux obscurités. Franchement, c'est rigolo. Donc en reverse, on a eu Vilvoran, Helioso, Chocodile, Forgella, Trépassable, Tyranocif, que j'aime beaucoup en vrai ce Pokémon-là, Axolotl de Paldea, Clavel, Albert et l'énergie inversion. Et du coup, la carte promo, on a eu Forgelina. N'hésitez pas à me dire si c'est normal qu'elle soit en brillante ou pas, cette carte. En plus, il dirait une carte vraiment basique, holo basique, tu vois. À vous de me dire si c'est normal ou pas. Et en double, du coup, on a quand même beaucoup de doubles. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a eu 3 fois la méga cap. Enfin, franchement, les doubles, c'est abusé aussi. Voilà. Bon, pour cet opening, on aura 5, 6 codes à vous donner. J'aurai 6 codes à vous donner, plus 4 que j'ai dans ma boîte là-bas. Donc ça fait 10 codes à vous donner si vous voulez. C'est comme vous voulez, hein, je vous les donne. Bon, je suis un peu déçu. Il n'y a aucune carte rare, quoi. Ouais, aucun hit. C'est la première fois que j'ai eu aucun hit dans un opening, hein. Franchement. Donc ça, je vais aussi les classer du coup. Paldea, Paldea, SVI, Paldea, 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 SVI, SVI, SVI et Paldea. Okay. On a eu 4 cartes à SVI quand même. Bref. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Ça, c'est les doubles du coup. Ouais. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à réagir. N'hésitez pas à me dire si vous achetez aussi les petites cartes comme ça, enfin les petites boîtes comme ça, stratégie et combat. Pour l'instant, c'est mon premier que j'ouvre et franchement, je suis déçu. Hein. Je suis déçu. On a fait les 5 boosters comme d'habitude, hein, on est ouvert, mais encore une fois déçu aussi. Donc franchement, je suis un peu déçu, mais bon, voilà. Bon, du coup, je vais ranger la petite boîte ici qu'on va plus utiliser, on va la mettre de côté. Hop, on va la garder la boîte, on ne le fait jamais, hein. Peut-être que ça va servir comme rangement un jour.
Mais ouais, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous laisse là-dessus. Puis si vous voulez me poser des questions, faire des échanges, n'hésitez pas à me parler sur les réseaux, Instagram, Snapchat, si vous voulez, Vinted, si vous voulez, Discord, tout ce que vous voulez en vrai. Trouvez-moi, Müller7. Ciao.